Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir les meilleurs combos tryhard. Là j'en ai créé un petit avec le petit Skull violet, le petit sac galaxy, la petite pioche et le petit planeur. Dites-moi votre note sur 10 en commentaire et je verrai si vous aimez bien mon combo. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que j'offre tout le temps des cadeaux à chaque vidéo, donc il faut juste liker et s'abonner et mettre son équipe en commentaire dès que cela sera fait et après je vous enverrai bien sûr les cadeaux. Et à chaque fois bien sûr je vais essayer de vous offrir les nouveaux skins qui viennent juste de sortir dans la boutique. Alors pour commencer, à la 10e place on retrouve ce petit skin avec cette petite pioche. Vraiment c'est un ensemble très stylé et c'est sur le thème de l'or. Et il y a plein de joueurs pro qui utilisent cette petite compo. Personnellement, moi, je suis très dégoûté puisque j'ai pas cette petite pioche. Et en plus, j'ai le skin. Donc là, je suis vraiment un petit peu dégoûté parce que c'est un vraiment très beau combo. La pioche va parfaitement avec ce skin. Donc passons à la 9e place. On retrouve ce petit skin, ce petit sac à dos et cette petite pioche. Après c'est pas forcément grave si vous avez pas le sac à dos. Par contre moi je trouve qu'il rajoute plus de flow au skin. Et aussi la petite pioche, voilà, la pioche tryhard par excellence. Tous les joueurs pro utilisent cette pioche, donc je vous conseille de l'acheter si vous l'avez pas encore. Mais vraiment c'est une pioche assez stylée quand même, parce qu'à chaque coup ça fait des petites étoiles. On passe tout de suite au 8e combo. Donc ça sera ce petit skin avec cette petite pioche. C'est un combo assez stylé parce que la pioche rappelle un petit peu les couleurs du skin. Et on pouvait voir un petit gameplay de ce skin. Vraiment c'est un bon skin pour tryhard. Il ne gèle pas trop comme les skins bananes, etc. Vraiment ce skin c'est un très bon skin. Surtout parce que c'est un skin féminin et les féminins ont plus de taille fine. Pour ceux qui veulent savoir, ce skin est d'une rareté rare et il coûte 1200 V-Bucks. Donc si vous l'avez pas, achetez-le, ça fait toujours plaisir. On passe au 7e combo. On est toujours avec ce petit skin de passe de combat, cette petite épée de Deadpool et toujours cette pioche tryhard. Donc ces petites épées de Deadpool vont vraiment très très bien avec ce skin en noir, voilà le skin Jennifer Walter. Après en blanc, moi je trouve qu'il est un petit peu moins stylé, mais vous pouvez toujours quand même le jouer, c'est vraiment un bon combo tryhard. Personnellement, moi je préfère quand il est en noir avec les épées, comme vous pouvez le voir au gameplay, je préfère vraiment largement. Donc on passe au 6e combo, voilà toujours avec les mêmes épées, les petites pioches un petit peu en rouge pourpre qui font repenser un petit peu au skin. Voilà, ce skin est un très bon skin pour tryhard. Voilà, c'est les skins où on peut vraiment personnaliser les skins à volonté. Il existe aussi en homme et ce skin coûte 1600 V-Bucks. Donc moi personnellement j'ai acheté un homme, j'ai pas acheté une femme, mais j'aurais dû acheter une femme puisque les tailles sont plus fines comme je vous l'ai dit auparavant. Après il y a plein de combos possibles avec ces skins, mais ce petit combo il est vraiment assez stylé. On passe au 5e combo de skins, on est avec cette petite agent secrète. On est toujours avec ce petit sac à dos tryhard, voilà le petit sac à dos squelettique en holographique. Il est vraiment assez stylé, donc je vous conseille de l'acheter avec son petit skin, parce que ce petit skin qui va avec ce sac à dos est vraiment quand même pas mal stylé. Et avec la petite agent secrète, ça lui rapporte encore plus de flow. Donc moi je trouve que ce sac à dos rapporte largement beaucoup plus de flow au skin. Enfin moi en tout cas c'est mon opinion, après peut-être que vous aimez pas ce sac à dos, mais après c'est pas forcément grave si vous n'avez pas ce sac à dos, puisqu'on va passer de suite au 4e combo de skin. Et là on change de sac à dos, c'est un petit sac à dos épais et qui va magnifiquement bien avec ce skin. Vraiment ça le met largement bien en valeur. Et là on retrouve un petit sabre avec ce petit skin, parce qu'en gros le petit sac à dos fait penser à un petit sabre, et là c'est comme si on dégainait le sabre. Après vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec ce combo. Ce skin va avec pas mal de sacs à dos, mais aussi vous n'êtes pas obligé de mettre un sac à dos. Hein. Comme vous pouvez le voir au gameplay, il n'a pas forcément de sac à dos, mais quand même le skin a pas mal de flow. Et aussi il a la petite pioche Minty qui est devenue quand même assez rare avec le temps. On passe tout de suite au 3e combo de skin. Voilà, c'est un petit skin féminin super héros et elle est tout en noir avec les yeux.
blanc, mais aussi vous n'êtes pas obligé de le mettre avec les yeux blancs. Moi je trouve que ça rapporte plus de flow au skin. Vous pouvez tout aussi bien le mettre avec les yeux noirs, verts ou bleus, c'est tout aussi bien. Mais moi je trouve que le blanc, comme c'est le contraire un petit peu du noir, je trouve que ça fait plus ressortir les yeux du skin. Donc moi je préfère comme ça. Et n'oublions pas la petite pioche, toujours cette pioche tryhard, voilà, la petite pioche étoilée. Moi je vois souvent ce skin tout en noir en arène, vraiment je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Moi je trouve aussi pas mal stylé ce skin, vraiment tout en noir ou même tout en blanc ou tout en vert. On va voir ça par la suite, donc let's go. On passe tout de suite au deuxième combo, ça sera Jennifer Walter en holographique ou en argenté ou bien en or comme vous voulez, avec la petite pioche étoilée comme d'habitude, cette petite pioche tryhard, vraiment stylée. Aussi ce petit skin, dites-moi en commentaire si vous l'avez en holographique. Moi personnellement j'ai pas réussi à l'avoir, j'étais pas assez haut level. Donc on passe tout de suite au premier combo. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce petit combo ou le premier combo avec le Zghoul violet que j'avais créé et que je vous avais montré en début de vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve toujours avec la même pioche, toujours la même pioche tryhard. Donc voilà, aussi vous pouvez le mettre sans masque avec les cheveux blancs. Moi personnellement je préfère sans masque avec les cheveux blancs, avec la petite teinture blanche. Moi je trouve que ça change de d'habitude, puisque la plupart des joueurs utilisent une cagoule sur leur super héros. Moi personnellement je préfère comme ça. Après peut-être que vous préférez avec la cagoule, moi je préfère comme ça. Et toujours avec les petits yeux blancs qui font ressortir un petit peu le skin. Aussi vous pouvez le mettre avec les yeux noirs, c'est toujours aussi bien. Donc là on arrive à la fin de la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, à 20 likes je referai une vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.